Ce genre d'affaires est devenu le quotidien des équipes de la PAF. Et cette nuit, Nathalie, Laurent et leur collègue Christophe vont être à leur tour victimes de ce fléau. Quelques minutes après le début de leur service, les policiers reçoivent un appel radio. C'est une autre équipe de la PAF qui les prévient. Deux personnes ont été interpellées sur l'autoroute en entrée France avec de l'herbe de cannabis. Et il semblerait qu'ils aient déclaré qu'ils devaient retrouver quelqu'un sur une aire de stationnement sur l'autoroute. Cette aire, située à quelques kilomètres de là, Laurent décide de s'y rendre sans attendre. Les commanditaires de la drogue s'y trouvent peut-être déjà pour récupérer les 3 kilos de cannabis transportés par les Espagnols. Transmettez. Les parkings semblent déserts, mis à part une fourgonnette blanche stationnée, le chauffeur au volant. Pour s'assurer qu'il ne fait pas partie du réseau de trafiquants, Laurent le contrôle. Papier, s'il vous plaît. Il faut acheter une. Papier. Oui. L'homme est allemand et ne semble pas comprendre ce qui lui arrive. C'est pas ça, sûrement. Rien à l'intérieur. Les policiers en sont quittes pour inspecter toute l'aire d'autoroute. À commencer par les sanitaires, lieu idéal pour une transaction discrète en pleine nuit. Mais les bâtiments sont vides. Alors Laurent et Nathalie vont organiser ce qu'ils appellent dans leur jargon une livraison surveillée. Alors il faut qu'il y en ait un qui se foute à la sortie direct. Voilà, c'est l'air de pierre pour bloquer. Pour cela, ils ont fait venir la voiture des trafiquants espagnols interpellés. Ils l'ont garée sur le parking pour servir d'appât. En retrait, derrière les arbres, Laurent et Christophe ne quittent pas le véhicule des yeux. On est en train d'attendre que les éventuelles personnes qui doivent récupérer la voiture arrivent. Alors il faut prendre beaucoup de précautions parce que c'est des personnes qui font très attention qui n'hésitent pas à prendre tous les risques pour après nous échapper. Quant à Nathalie, elle est en planque dans les toilettes avec une vue stratégique sur le véhicule à pas. À elle de donner l'alerte dès qu'elle apercevra les suspects. Justement, une voiture vient d'être signalée aux abords de l'aire d'autoroute. Ouais Henri, t'as une Clio grise avec 3 mecs à bord qui était au PH Sud, les collègues la signalent et qui arrive en notre direction. Donc tu peux le signaler à tes collègues ? De longues minutes s'écoulent. Le problème c'est que Nathalie n'arrive plus à joindre ses collègues par radio. Putain. Du coup, impossible pour elle de savoir ce que sont devenus les suspects, jusqu'au moment où... Nathalie se retrouve nez à nez avec deux jeunes hommes. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes qui ? Comment ? Seule, face à des individus potentiellement dangereux, Nathalie ne peut se permettre d'intervenir. Ah, ben ne passez pas, c'est pas grave. Elle tente alors d'utiliser sa radio pour prévenir ses coéquipiers. Je suis détranché de mec d'être rentré dans les chiottes femmes. Hein. À part en connaissant les chiottes hommes. Nathalie les suit. Mais les deux hommes s'enfuient. Heureusement, Laurent et Christophe les ont repérés. Vite, faut interpeller ces eux. Les suspects démarrent en trombe. À cet instant, le seul moyen de les arrêter, c'est de crever leurs pneus. C'est ce que réussiront à faire in extremis les policiers en utilisant leur herse. Stiquez ! Mais cela n'empêche pas les individus de s'engager sur l'autoroute. Vite, faut prendre la voiture. Grimpez, vite ! L'équipe de Laurent et de Nathalie les prennent en chasse. Je les avais en face, les mecs, Christophe. Qu'est-ce qu'ils répondaient ? Ils me demandaient ce qu'on foutait là. On était dans les chiottes avec eux. Les fuyards sont à quelques centaines de mètres devant eux. C'est une folle poursuite qui s'engage. Mais leurs pneus crevés les ralentissent et les policiers de la PAF sont sur le point de les rattraper. Ils sont là devant, ils sont devant. Ils sont devant, on y est. Attention, c'est quoi les coups ? Pourtant, impossible d'arrêter la voiture en plein milieu du trafic. Laurent et Nathalie ne peuvent pas se permettre de provoquer un accident. Autre problème, après 40 minutes de poursuite, les policiers sont aux limites de leur zone de compétence. Nathalie, on va pas pouvoir poursuivre trop longtemps non plus. Hein. La prochaine sortie, il faut sortir là. Il faut. 110, c'était 110. Pas facile d'abandonner la poursuite si près du but, mais ils doivent s'y résoudre. Ah, Laurent, tu peux annoncer hors secteur, hein. Ça y est. Hors secteur. Hors secteur.
Les fuyards prennent le large. Mais alertés par Christophe, les gendarmes du département voisin vont prendre le relais. On va cesser progression. Le véhicule toujours en fuite roule à 150 km/h, véhicule stické, en direction de Toulouse. Il faut savoir qu'en matière de flagrant délit, on a le droit de poursuite dans les départements limitrophes. Donc c'est ce qu'on a fait. Mais à un moment, j'ai demandé quand même à ce qu'on arrête cette poursuite parce qu'on allait trop loin dans le département limitrophe et que visiblement, les individus auraient continué encore et encore. Donc on va faire retour au service pour interroger les deux personnes qu'on a interpellées. De retour à la direction départementale de la PAF, Laurent et Nathalie vont pour la première fois rencontrer ces deux Espagnols à l'origine de l'affaire. Pour éviter qu'ils ne communiquent entre eux, ils ont été placés dans deux pièces différentes. Ces passeurs vont devoir s'expliquer sur les 3 kg d'herbe que les policiers ont trouvé dans leur voiture. C'est Nathalie qui mène l'audition. Donc ils venaient de l'Escala en Espagne. Alors que s'était passé lorsqu'ils sont arrivés? Que pasó al llegar al peaje? Le pidieron que por favor que parara el coche, et après, que abriera el maletero. Arrêter la voiture, donc est-ce que vous pouvez ouvrir? On a contrôlé. Oui, ils ont contrôlé le vehicle. Ouais. Que llevamos, bueno, se dijo Eduardo que llevamos marihuana y le dijo para quién era y los chicos que eran. C'est de là qu'on a expliqué ce qu'on transportait et pour qui c'était. Alors, Nathalie n'a eu aucun mal à confirmer le rôle des passeurs. Ce qui l'intéresse maintenant, c'est de connaître l'identité des trafiquants à qui était destinée la drogue et qui viennent de lui échapper. Est-ce qu'il connaît les 3 Français là? L'homme ne semble au courant de rien. Les policiers vont tenter d'en savoir plus avec son complice. Cette fois, c'est Christophe qui va l'interroger. Il habite à l'Escala? Vives en Escala? Non. Non. Où ça? Barcelona. À Barcelone. Le jeune, lui, n'a rien à perdre. Et il ne se fait pas prier pour donner le nom du commanditaire de la drogue. Alors, concernant la personne qui lui a donné le cannabis, est-ce qu'il peut donner son nom, son prénom, où est-ce qu'il habite, son numéro de téléphone, surtout? Vous pouvez dire comment se llama. S'appelle. Son nom, mais aussi un moyen de l'identifier. Est-ce qu'il a un numéro de téléphone? Son numéro de téléphone est le que j'ai llamado. Oui, j'en ai deux. Il peut me les donner? C'est sur celui-là? Les deux numéros. Christophe a obtenu de précieuses informations qui lui permettront sans doute d'interpeller celui qui semble être le chef de ce réseau. Les 3, ils ont été arrêtés ou pas? On ne sait pas. Non, ça va, non. Impliqué dans une affaire qui le dépasse de plus en plus, le jeune Espagnol est inquiet. Alors pour tenter d'échapper à la peine de prison qui le menace, le passeur va faire une étonnante proposition aux policiers. Je vais dire une chose. Je suppose que comme el chico que la próxima, la prochaine livraison, ça sera presque le double. Elle est prévue pour quand? Está previsto para cuando la próxima? Si yo lo digo. Si je le dis. ¿Qué ventajas tengo? Que l'avantage je vais. Comme on lui a expliqué tout à l'heure, ça sera. C'est le procureur qui va décider. Non, c'est moi qui ai décidé, le fiscal va décider. Passons à demain. Donc ça sera fait, ça sera pour eux demain alors. Je ne veux pas aller en prison. Le lendemain, les trafiquants français devraient donc une nouvelle fois tenter de passer la frontière avec de la drogue. Avec ce dernier aveu, Christophe a fait considérablement avancer l'enquête. Mais le policier ne cache pas sa frustration. C'est bien, parce que voilà, ça fait de la marchandise en moins sur la voie publique, le terrain. Maintenant, ça aurait été plus intéressant d'avoir en plus les trafiquants. Donc un petit manque de travail inachevé, mais bon, c'était pas mal. La bonne volonté du passeur ne lui aura pas suffi à éviter la prison. Il a été condamné, comme son complice, à 1 an et demi ferme par le tribunal de Perpignan. Mais la police judiciaire de Toulouse, désormais en charge de l'affaire, compte bien tirer profit de ces informations pour mettre la main.